Là, on a des différents tissus en wax. Vous me direz lequel est le meilleur. Je commence avec ce premier tissu en wax qui est beau, hein? Vous voyez, il y a de la brillance. Les couleurs sont vachement vives et au toucher, le toucher est légèrement agréable. Si je le froisse, je réalise que le tissu fait trop de bruit. Normalement, un tissu de coton ne devrait pas ou ne doit pas faire ce genre de bruit parce que en 100% coton, il est doux, il est agréable au toucher. Tout ce qui va au-dessus, il est de mauvaise qualité. Et je prends également ce tissu reconnu dans des différents mariages et ils l'ont baptisé le nom de fleur de mariage. Voilà. Et là, quand je le touche, ça fait du plastique en fait. J'avais bien utilisé. Hein. Vous allez dire catastrophe, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais des expériences pour vous montrer les tissus de mauvaise qualité. Un vrai wax ne doit pas être brillant. Et vous voyez, celui-là, il est vachement léger, je dirais même il est transparent. Je prends également celui-là, rien que le toucher, regardez. C'est doux, c'est agréable, c'est soft. Regardez. On entend moins de bruit. La qualité est vraiment supérieure. Celui-là, qui est un tissu de renommée, hein, est très reconnu dans l'industrie de la mode, hein, est très 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 porté. Ça a une bonne réputation, voilà, pour le dire comme ça. C'est un tissu qui a une très bonne réputation. Vous le verrez en plusieurs couleurs, en vert, en rouge, en jaune. Celui-là qui est déjà un très bon tissu. Au niveau des écrits, c'est même marqué coton. Mais vous ne devez pas tenir compte des écrits, hein. Franchement, si vous voulez acheter vos tissus, évitez ça. La seule chose que vous devez faire, c'est être en contact. Vous devez être en contact avec votre tissu. Vous devez le toucher. Vous devez ressentir cette sensation agréable en le touchant. Donc celui-là, il est classé dans la catégorie de meilleur tissu. La qualité top. Là, ils sont magnifiques, le motif il est joli, je le trouve un peu sobre en fait, la qualité y est, les couleurs y sont, la matière, le poids, tout est bien, voilà. Pour un tissu de coton, tout est respecté. Si je fais un exemple, de test de combustion. Voilà, l'exemple du test de combustion. Ça, on l'a pris à l'école, donc je vais prendre une chute. Je vais couper cette chute-là. Hop, je prends cette chute. Je mets également une chute ici. Hop. On va reconnaître le bon et le mauvais. Donc vraiment, j'ai deux tissus différents. On a un tissu de coton fleur de mariage. On a également un tissu de coton qui a zéro brillance. Donc mon but, c'est de vérifier si les deux ils sont vraiment 100% coton. Donc ce que je fais, je vais les brûler. Sous pour éviter un risque de brûlure. Hop, mon briquet.
Et vous voyez le résultat en fait. Vous voyez comment il brûle. Hein? Je vais arrêter. En fait, ça brûle en s'enroulant. Voilà. Et je brûle le second. On verra lequel est vraiment un tissu de coton. Vous voyez comment on brûle un tissu de coton? Je vous rapproche l'image. So much attention, and when you're moving in another direction, voilà comment brûle un tissu de coton. I meant what I said when I said it, lady. I never want to. Il brûle en laissant de la cendre et ça sent du papier. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never want to play happy families with you, but vous voyez, ça laisse les cendres. Je vais rapprocher l'image. Donc là, on a un véritable tissu wax. Un véritable tissu wax de coton, 100% coton. Et celui-là, on a du nylon. Vous voyez ce que ça donne? Ça brûle en formant des boules en fait. Et tout est devenu dur. Donc pour moi, c'est un tissu soit de polyester, du nylon. C'est ça qui brûle comme ça. Et le coton brûle très rapidement en laissant des cendres. Ça sent comme du papier. Pour reconnaître un bon tissu en wax, il doit être un tissu de coton. La qualité, le toucher doit être doux, agréable. Il ne doit pas être lisse. Les couleurs doivent être mates, zéro brillance. Et vous êtes sûr de tomber sur un bon tissu en wax de coton. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, écrivez également en commentaire qualité et dites-moi ce que vous en pensez des tissus de mauvaise qualité. Très bientôt pour une nouvelle vidéo.